Jukebox, je suis claqueur de doigts devant les jukebox. Jukebox, jukebox, je claque des doigts devant les jukebox. Jukebox, jukebox, je suis claqueur de doigts devant les jukebox. Première visite à l'International Music Store, dans un des quartiers ouest de la métropole. Si on fait une comparaison entre le public adulte qui achète le disque et l'adolescent, est-ce que l'adolescent achète beaucoup le disque? Bien, probablement, dans mon opinion personnelle, c'est que l'adolescent est un grand client pour nous, plus que l'adulte. Et ça va de quel âge à quel âge, en ce qui regarde le magasin ici? Oh, l'adolescent, je vous dirais... 12 et 18 ans, 20 ans, c'est un grand client ici. Il met probablement tout son argent, ses épargnes, pendant qu'il travaille, il met tout ça ici au magasin. Qu'est-ce que vous aimez comme musique, vous? J'aime classique, folklore. Classique et folklore. Et du côté, est-ce que quand même vous achetez de temps à autre de la musique commerciale? Oui, j'aime Charles Aznavour et Edith Piaf. Qu'est-ce que c'est pour vous, les Beatles? Je l'aime, la musique de les Beatles aussi. Ah, j'aime les Beatles, la musique, la... beat? Oui, la beat. Qu'est-ce que vous aimez aussi, la musique classique? Oui, beaucoup. J'aime Tchaïkovski, Beethoven. Alors, ça part du classique et ça va jusqu'à Elvis Presley. Mais j'aime toute la musique, tous les disques. Nous sommes chez Bertrand Disque sur la rue Sainte-Catherine, dans l'ouest de la métropole. Monsieur Bertrand, côté jeunesse, côté adolescence, qu'est-ce que vous avez comme client ici? Nous avons une assez forte portion de jeunes, quoique la majorité de nos gens se recrutent, vont de 25 à 40 ans, en fait. Ici, on retourne du côté jeunesse. Qu'est-ce qu'ils demandent? Ils réclament la chansonnette, plus particulièrement. Plus chansonnette française, je suppose, oui. Ou canadienne? Oui, fortement française. Canadienne-française à l'occasion, mais on peut dire que le volume des ventes se recrute plutôt chez les chanteurs français que chez les chanteurs canadiens-français. Ça ne veut pas nécessairement dire chansons yéyé. Non, 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 non. Nous vendons passablement de chansonniers de chez nous, tels l'Éveillé, Vigneault, Lirac, Leclerc, Dumont. Les chanteurs populaires de variété ne sont pas tellement réclamés ici dans la place. Mademoiselle, vous êtes venue acheter des disques. Oui. Qu'est-ce que vous achetez? Les chansonniers canadiens-français. Les chansonniers français, surtout. Seulement de ça? Du côté chansonnier, seulement vous vous dirigez? Mais ça m'est déjà arrivé d'acheter des disques classiques. De temps en temps? Oui. Maintenant, si on va du côté commercial, je parle Louvain, Lautrec et compagnie, qu'est-ce que ça vous dit, ces chansons-là? Absolument rien. Absolument rien? Vous avez une raison spéciale? Bien, en fait, je trouve que c'est dépourvu de sens. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes en train d'acheter? Mais habituellement, c'est-à-dire actuellement, je regarde si c'est possible de trouver la musique de Debussy. Ah bon, vous, c'est la musique classique? Oui, franchement, oui. Côté chanson, maintenant? Côté chanson, c'est assez réduit. En général, ça peut être Gilles Vigneault, du côté des Canadiens. Si c'est du côté des Français, ça va être Léo Ferré. Et si on va du côté musique populaire, chanson populaire, est-ce que ça vous intéresse, ce domaine-là? C'est à peu près nul, sauf le folklore, évidemment, qui m'intéresse. Alors, Louvain, Lautrec et compagnie, pas du tout. Pas du tout, je sais à peine leur nom. Et nous sommes maintenant sur la Plaza Saint-Hubert, rue Saint-Hubert, au disquaire Jules Jacob. Monsieur Dussault, dans l'atlas d'adolescents que vous avez ici, qu'est-ce qu'on achète le plus? Bien, à part les Beatles qui se vendent dans les populaires américains, il y a les chansonniers canadiens, l'Éveillé, Vigneault, Gignac, qui se vendent très, très fort.
Est-ce que vous avez plus fort du côté, une vente plus forte du côté chansonnier que du côté chanteur purement commercial? Les chansonniers sont plus forts, beaucoup plus forts ici, dans le domaine. Et quel est celui qui prime en ce moment chez les chansonniers? Moi, je crois que l'éveillé emporte la main haute. Maintenant, Monsieur Bailly, est-ce que vous avez quand même des adolescents qui vont du côté classique? Oui, beaucoup. Beaucoup, surtout dans la classe étudiante. Je dirais que chez nous, à notre succursale, c'est une forte proportion des jeunes qui achètent du classique. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici aujourd'hui? On est venu acheter un disque. Qu'est-ce que c'est? Le Bandit de Juarez. Par? Par Daniel Gérard. Qu'est-ce que vous avez comme préférence dans le disque? Les chansonniers, surtout. Les chansonniers, surtout. Qui en particulier? Pierre Letourneau. Mm-hmm. Claude Léveillé. Claude Gauthier. Les chansonniers. Oui. On peut en nommer quelques-uns que tu aimes, là? Pierre Letourneau, Gilbert Bécaud, Charles Aznavour. On peut citer quelques noms? Brel, d'abord. Ensuite, ce sera Aznavour, Léveillé, Vigneault, nos Canadiens, quoi. Maintenant, est-ce que ça vous intéresse, vous, ce qu'on appelle le yéyé? Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Enfin, au point de vue musique, c'est peut-être agréable et ça détend, mais... Enfin, c'est pas mon genre. J'ai aucune affinité avec ce genre de musique. Vous n'en achetez jamais? Jamais. Qu'est-ce que tu achètes comme disque, toi, quand tu en achètes? Oh, j'aime surtout les disques de la jeunesse, comme les Beatles, les Baronets, les Classel. Mm-hmm. Nous sommes chez Pierre Leblanc Musique sur la rue Mont-Royal, dans l'est de la métropole. Monsieur Leblanc, vous avez un public qui vient acheter ici nécessairement adultes et adolescents. Lequel achète le plus? Le public adolescent. Le public adolescent. Maintenant, nécessairement, on se dirige à ce moment-là du côté commercial. Absolument. Et en se dirigeant du côté commercial, sur 100 disques que vous vendez, proportion gardée, est-ce qu'on peut faire une petite division là? Oui, nous pouvons diviser, disons, 50-50. Alors, à ce moment-là, vous avez le disque populaire anglais ou américain, enfin, et 50 français mm-hmm. ou canadien-français. Dites-moi, quand vous achetez un disque, qu'est-ce que vous achetez? J'achète habituellement toujours des chansonniers, comme j'achète Pierre Calvé, Claude Léveillé, Vigneault, Brel aussi. Mais avant d'acheter ces disques-là, il y a quelques années, avant qu'on connaisse ces noms-là, vous achetiez quand même des disques? Oui, j'achetais des disques. Il y avait, dans ce temps-là, il y avait Félix Leclerc. Et puis, fort de ça, je pense pas que j'en achetais tellement. Mais dans ce temps-là, j'étais pas mal jeune, alors... De toute façon, vous avez commencé avec les chansonniers. Ah oui. Et vous? Moi aussi, j'ai commencé avec les chansonniers. Mes frères, chez nous, en fait, toute la famille, on préfère les chansonniers à tous les autres chanteurs. Surtout Vigneault par sa poésie et Félix Leclerc aussi par sa musique. Aussi Léveillé, parce que moi, je préfère Léveillé à cause de son jazz qui joue très, très bien. J'ai vu son récital à la télévision, puis j'admire beaucoup Léveillé. Quand vous achetez des disques, qu'est-ce que vous achetez? Surtout des disques chansonniers. Des chansonniers canadiens, français aussi, comme Aznavour. Mm-hmm. Mais du côté canadien, est-ce qu'on peut avoir des noms? Claude Léveillé, Gilles Vigneault, Pierre Letourneau aussi. Qu'est-ce que vous achetez, vous, quand vous achetez un disque? En partie, quand j'achète des disques, j'achète des disques de chansonniers, comme vous avez Pierre Letourneau, Claude Gauthier. J'aime bien les chansons françaises, comme vous avez Aznavour. J'aime bien surtout Adamo, qu'Adamo vraiment exprime une volonté, exprime vraiment la chanson réelle. Vous voulez savoir? Vous voulez savoir? Et nous voici maintenant rendus chez Fauché Musique, sur la rue Ontario. Monsieur Fauché, on s'aperçoit qu'il y a 5 ans, les pièces, les chanteurs américains et les chanteuses américaines étaient à l'honneur. Est-ce que ça a changé complètement? Oui, aussi, oui. Oui, pour moi, il y a 5 ans, on vendait 50 % de disques anglais, 50 % de disques canadiens. Aujourd'hui, on vend 85 % de disques canadiens contre 15 % de disques anglais. Dites-moi, monsieur, quand vous allez acheter un disque, qu'est-ce que vous achetez? C'est plutôt le morceau populaire. Mm-hmm. Ça veut dire que vous tenez au courant du palmarès, du hit parade en général? Oui. On peut avoir des noms? Ben, il y a Serge Laprade, Donald Lautrec. Bon, expliquez-moi, quand vous achetez un disque, qu'est-ce que vous avez envie d'acheter? Ben, plutôt des disques de jazz, je sais pas, des rock'n'roll, genre de plein de sexy, quoi.
du disque de Beatles, mais de rock and roll, autrement dit. Que peut-on conclure d'un sondage éclair comme celui-là, sinon que l'industrie du disque se porte à merveille? Il semble aussi que la clientèle des disquaires soit avant tout composée d'adolescents. Que le disque chanté en français est de plus en plus populaire, surtout dans l'est de la métropole, et que les chansonniers du Québec sont à la hausse. Claude Léveillé, par exemple, semble avoir la cote d'amour en ce moment.